Nom de Dieu. Bien. Tu me dis, c'est bon ? Oui. Salut mes petites limailles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Metallery. Ça fait plaisir de vous voir. Chantier encore atypique comme d'habitude. On a fait une magnifique maison à Tours en pleine rénovation. On a changé toutes les menuiseries de la façade, des belles portes d'entrée comme vous pouvez voir. On a fait des coulissants, galandages à l'extérieur, mais on a fait aussi des verrières de toiture et notamment deux qui sont très spécifiques. C'est des verrières à ouverture comme une porte de DeLorean. Enfin, il faut le voir pour le comprendre. J'avais fait un petit reel en atelier pour t'expliquer un peu comment c'était et après on retourne directement sur le chantier. Putain, mes petites limailles, il faut que je vous montre un truc exceptionnel qu'on est en train de faire. Si vous vous rappelez du châssis de toiture qu'on avait fait pour Rachel et Emilien. Bah là, dites-vous qu'on a fait un step. T'as la toiture qui est comme ça, qui repart de l'autre côté. Et là, t'as une petite redescente. Ils ont une terrasse plate. Comment il va, Antoine ? Bah, écoute, ça va bien ? Ça va très bien. Ah bah écoute, ça va bien, Antoine. Est-ce que tu comprends le projet ? Bah, je suis en cours. Super. Putain, c'est incroyable, c'est un truc de malade. Ah, moi, ce boulot, ça, c'est pour fixer les vérins. Bah, des vérins motorisés, là, bien sûr, hein, ça va sourire. Comme une porte de DeLorean, regarde-moi ça. Incroyable. Avec le système vis de mur rideau de chez Janssen, les fameuses, les mêmes que chez Rachel et Emilien. Petite barre anti-écartement parce qu'on fait un verre avec une partie débordante pour recouvrir l'autre pour qu'il n'y ait pas de traverse sans rien. Enfin, ça va être pépite. Ça va être une pépite. On est tellement contents. C'est insolent comment c'est beau. Donc voilà, je vais te faire un petit tour du chantier pour que tu vois. Donc on a posé des baies là, comme des menuiseries comme tu peux voir, avec des persiennes qu'on a relaquées, des persiennes d'époque qu'on a resablées, rethermolaquées, à la même couleur que la menuiserie. Donc tu vois, ça fait quand même pépite, avec des vieilles persiennes pour garder l'esprit de la maison. On a posé deux belles portes d'entrée Euradif hein, qui sont juste sublimes. Allez viens, suis-moi, je vais te montrer ça à l'intérieur. Et rentre, Manimaï. Donc menuiserie à l'intérieur, bicoloration. Donc, tu vois, elles étaient grises à l'extérieur, blanches à l'intérieur. C'est de la belle gamme de menuiserie. Donc là, s'ils s'ouvrent, sont un grand salon séjour. On a le client qui est là, je vais vous le présenter. Salut Mathieu ! Salut Julien, ça va ? Bon, ça, tu nous accueilles dans ta belle maison. Belle maison qui tourne, ouais. Tu vas bien ? Ouais, ça avance bien, ouais, c'est cool. Bon alors ? Eh ben, on en a fait des choses ici ? On a tout fait. Et surtout, de ce qu'on va parler aujourd'hui, donc on a fait deux verrières aussi de toiture. Donc là, normalement, bientôt, la hyène... je regarde, j'ai même pas la montre, en plus, c'est la main gauche. Il y a la grue qui va arriver, là, ce matin. J'espère que ça va bien se passer pour entrer dans la rue. C'est un gros bébé, là, qui arrive, avec le fameux Julien Ledru. Notre bon vieux. L'interminable, l'inébranlable Julien Ledru. On va passer les châssis sur le dessus, donc ouais, un petit peu de pression, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. De toute façon, c'est les meilleurs qui sont là. Bah, j'espère que c'est les meilleurs qui sont là. On en parlera à la fin de l'épisode si tout s'est bien passé. Tout va bien se passer. Super, donc l'idée c'est de les poser là aujourd'hui. Et puis demain on aura Bibi, vous allez revoir Bibi sur l'épisode qui va venir lui pour faire tous les branchements, tout ça et les essais. Parce qu'il y en a une qui est ouvrante et la petite subtilité. C'est que donc, ça va s'ouvrir, ça va être top. Souvent on aura l'accès au rooftop. Exactement. Bon, je te propose qu'on aille voir ça. Allez, parfait, allez, on y va. Avant de commencer, je voudrais quand même que tu montes. Bah bon, les premiers qu'on a fait, c'était deux verrières là de. Voilà. Deux verrières de toiture dans l'enfilade. Voilà, pour nous apporter un peu de lumière sur toute la maison. Donc là, ça sera toute ta cuisine ici ? Yes. Ah, c'est trop chouette. Et avec la fameuse porte, alors si, il y a une petite prouesse quand même. Les fabricants de portes, comme nos amis de chez Radif, ils savent faire des impostes carrés, rectangles, mais là, on avait besoin d'un impost avec un vitrage sous pente.
ça ils savaient pas le faire, et ben nous on a commandé chez nos amis de FMA F2M, je leur remets un petit truc là, FMA F2M, parce que c'est les copains, c'est la famille, qui nous ont fabriqué un beau châssis en aluminium, qu'on a pu nous adapter. Et ce qui est parfait. Au-dessus de la porte, et puis regarde, ça... Ça la gueule. Ça fait son job, on a l'impression que c'est fait exprès. On dirait que c'est fait avec. Mais c'est quasiment bien fait, quoi. C'est fait parfaitement. c'est quasiment bien fait. Et puis on commence tout de suite dans l'entrée. Ouais, c'est vrai qu'on arrive dans ton entrée et on a tout de suite cette enfilade de lumière. Et au moins, on voit, c'est un bon puits de lumière sur toute la maison. Ouais, puis là, t'es en menuiserie acier, rupture. Donc on est avec Janssen, hein, c'est du système vis, rupture de pont thermique. Le même système qu'on a utilisé pour les fameuses DeLorean qu'on va aller voir là-haut après, enfin qu'on va d'abord essayer de poser. Bon, moi, je vais commencer à bosser. Pour savoir les gars, pour qu'on commence à poser tout ça, et puis je te propose qu'on refasse un petit point demain. Allez, ça marche ? On fait ça à demain. Bon, allez, hein. Souhaite-moi bon courage. Bon courage, Julien. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Ça va, Julien ? Ça va, tout se passe bien. C'est bien le truc PMR ? Ah, c'est pas mal, franchement, on est bien là. Il y a le petit tapis anti-glisse, on est pépite. Bonjour deux, vous avez vu le premier jour, on n'a pas rigolé, j'ai pas eu trop dans le temps de causer et tout ça parce que bon, vous avez vu la grue, machin, donc ça s'est bien passé, on est content. On a commencé à mettre les vitrages hier. Là, on a Franck et Lulu qui sont en train de commencer la finition extérieure, donc vous voyez, le résultat, il est incroyable. Tu fais quoi, toi, mon Francky ? Je fais de l'étanchéité. Tu fais de l'étanchéité, mon Francky ? Ouais. Ah, Francky, vous l'avez vu dans plein d'épisodes. Francky, notamment, il était avec nous dans l'épisode où on avait fait la grosse verrière de toiture chez Yves. Tu te rappelles ? Cette grosse verrière de toiture fixe qu'on avait posée. J'ai plus le numéro de l'épisode, je vous le redirai. Arthur va le mettre. Là, on met des capots, donc on est toujours sur un profil. On est toujours sur un système de profil de mur rideau acier soudé chez Janssen. Comme les verrières fixes qui est en bas. On a des capots serreurs, donc on est toujours au même esprit aussi que la verrière, la trappe chez Rachel et Emilien. Et puis là, quand on met les capots, je vous laisse voir la finition. Donc là, Lulu, il est en train de faire du silicone. En fait, on va bourrer de silicone à l'intérieur. Parce que comme vous voyez, c'est un vitrage débordant. Tiens, viens voir. On a commandé un vitrage débordant. C'est-à-dire c'est un vitrage, double vitrage avec une âme, avec la face extérieure de 6 mm qui dépasse, qui permet de recouvrir le vitrage. On n'a pas de profil visible extérieur. La seule chose qu'on a mis, si tu baisses un peu, juste pour tenir, c'est un petit rond soudé, diamètre 16, anti-écartement, qui se voit quasiment pas à l'intérieur. Donc là, Lulu... Il a tenté de mettre du silicone trans, mais ça le fait pas. C'est ça. Voilà, donc on va mettre du noir pour que ça fasse mieux. Tu vois, donc on a un compribande qui est dedans et en fait on va injecter du noir à l'intérieur qu'on va pouvoir lisser ici et puis ça va te faire une finition en fait parfaite. Sans, il y a pas de traverse, il y a pas de profil extérieur, il y a pas de capot. Parce que normalement, si on suit les préco de Janssen, même si on faisait un fixe comme ça, on aurait dû mettre une traverse ici avec le vitrage qui s'arrête là. On aurait dû mettre une traverse ici. Et là, en fait, entre les deux, on aurait dû mettre un habillage plié avec de l'isolant à l'intérieur. Moi, je trouvais ça horriblement moche. Hein. Après, je comprends que les précos de Janssen, je vous critique pas, mes copains de Janssen, hein, c'est des amis, c'est la mif. Mais là, nous, on a décidé de faire ça comme ça. Et la petite subtilité, comme vous avez vu hier, bah, c'est que celui-là, il va s'ouvrir. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est encore faire ça. On n'a pas inventé la poudre, hein. On va pas se faire passer pour les meilleurs de la planète, même malgré qu'il y a un peu de boulot. Là, on reste quand même sur du fixe, donc il n'y a aucune raison. Là, on va faire les habillages ici qui vont redescendre sur l'agnoquet avec ce que nous a préparé le couvreur. Donc là, il n'y a pas de sujet. Donc là, on est à l'intérieur, il y a Bibi qui est là, qui est arrivé. Hello les amis. Ça va mon frère? Ouais, ça fait longtemps que t'avais pas vu.
Ça fait longtemps qu'on nous avait pas vu déjà sur YouTube. Tiens, viens voir. Alors là, le branchement, en fait, on a mis des vérins. Donc, c'est les mêmes vérins qu'on met pour les trappes vitraux au sol. Tiens, tout de suite, une petite vidéo, un petit reel qui a bien marché sur Instagram d'une trappe vitrée qu'on a faite chez nos amis, la famille Wahu, chez qui on a fait le gros escalier hélicoïdal sur deux étages. Tout de suite, le rush, et on revient tout de suite après. Trappe de cave vitrée motorisée. Bon, t'as vu ça, comment c'est extraordinaire? Bah là, on a fait pareil, sauf que là, bah, on en a mis deux. Voilà, on en a deux. Donc, comment ça va être? Bah oui, là, tu mets un tableau. On va avoir des habillages qui vont venir là, qui vont venir cacher tous les systèmes de fixation. Et en fait, on a des systèmes de tôle là qui vont venir en habillage. Ça nous permet de passer les câblages derrière. Et tu vois, Bibi, il ramène les câbles ici. Et là, on a un système. Alors là, c'est là où mes, mes compétences s'arrêtent et celles de mon frère arrivent. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme un automatiste de portail, Bibi. En fait, t'as une carte électronique pour faire la gestion et tout. Ouais, gérer la synchronisation des deux vérins. Et puis, pour alimenter l'inter. Et là, on est en contact maintenu. On est en contact maintenu. Alors, ce qu'on appelle contact homme mort, c'est-à-dire que le bouton, on doit rester appuyé dessus tout le temps, aussi bien pour le lever que pour le descendre. C'est l'humain qui fait la sécurité. Après, si on voudrait être en full automatique, il aurait fallu, je sais pas, qu'on mette des cellules sur un ouvrage comme ça typé particulier, c'est un peu plus compliqué. Donc on est en train de travailler dessus, hein. C'est aussi un prototype. Le client Mathieu, vous avez vu, nous a fait confiance aussi, parce que ça n'existe pas, hein. Il y a personne dans le commerce qui sait sortir un châssis comme ça, donc on l'a fait. Et puis ça va nous permettre aussi de retour d'expérience, on va voir la tenue dans le temps. J'espère que tu vas pas trop venir souvent faire un SAV. Pour ça, Bibi s'est prévu une grosse boîte pour faire des SAV, pour faire des SAV tranquillement. Les fins de course en ouverture, en fermeture, ça se fait comment? Ça à la carte? On a un petit module qui se branche sur la carte, ouais, qui se trouve là-bas. D'accord. D'ailleurs. C'est un petit module comme ça. D'accord. Qui se branche sur la carte électronique et c'est ce qui permet de faire toute la programmation. Ah oui, c'est comme un peu un truc chez les garagistes, l'ordi qui branche pour faire une carto. C'est une carto en fait. Exactement. C'est une carto stage 1. C'est une carto stage 1 de vérin de trappe. Tu le fais soit avec un ordi, ouais, ou soit avec ce module-là. Pas le choix. Ça te permet de faire tes réglages en fait, voilà. Débuter, ouverture, fermeture. Exactement. Parce que là, la petite subtilité, c'est qu'on a un plafond chauffant et rafraîchissant, pareil en bas. Donc c'est notre copain Aldo, si vous connaissez pas Aldo, vous l'avez vu, on a travaillé ensemble sur l'émission Travaux avec Laurent Jacquet sur M6. D'ailleurs, bon Aldo, je te fais coucou. Et là, Aldo va faire sur ce chantier-là, parce qu'il est de la région de Tours, un plafond chauffant et rafraîchissant. Je ne savais pas que ça existait, je viens de l'apprendre. Donc on pouvait pas mettre la boîte ici, donc c'est pour ça qu'on met la boîte là, parce que là, il y aura un dressing, donc la boîte en plus sera cachée dans un dressing. Donc tu auras peut-être 2-3 slips, 2-3 chaussettes enlevées, Bibi, si tu fais un SAV dessus. Non, le client va la décaler. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, a thousand hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can leave out its call. After the